nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous présenter une application vidéo donc qui vous permet de euh, d'éditer votre vidéo tout simplement donc comme vous voyez l'application elle s'appelle vidma donc ça vous permet de faire plein de trucs donc euh, si vous commencez par applaudir tout d'abord une nouvelle vidéo comme ceci et après vous pouvez faire suivant vous pouvez euh, à la fois choisir plusieurs vidéos si vous voulez et après vous faites suivant donc comme vous voyez donc la timeline elle est ici donc vous avez la possibilité d'ajouter de la musique, donc vous avez déjà un contenu qui est déjà intégré à l'application, comme vous voyez. Comme vous voyez, donc vous pouvez le sélectionner et l'appliquer sur votre vidéo, bien sûr. Donc, sinon, euh, aussi vous avez plusieurs autres possibilités. Donc, je vais sortir de musique. Donc, vous avez la possibilité de faire couper couper la vidéo donc par exemple vous pouvez faire des petites séquences donc pour faire votre montage donc comme on fait d'habitude et aussi donc vous avez la possibilité d'ajouter des effets comme ceci par exemple donc, une petite application euh... comme vous voyez donc euh, vous pouvez ajouter ces effets là aussi vous avez la possibilité euh, donc de supprimer des fragments de votre vidéo donc je vais valider ça et après vous avez la possibilité aussi d'ajouter du texte la position d'une image ou bien d'une vidéo sur votre vidéo bien sûr et aussi vous avez la possibilité d'ajouter des autocollants qui sont déjà aussi présents sur l'application donc toutes les redimensionnant les le, les peu de temps etc donc comme vous voyez donc je laisse ça comme ça donc euh, aussi euh, vous avez d'autres possibilités comme vous voyez ici donc euh, comme euh, les autocollants les filtres et aussi donc euh, la transition donc vous avez la possibilité de faire des transitions entre les vidéos et aussi euh, le plus important euh, dans cette application c'est pour ceux qui ont des, des problèmes ou bien des lacunes à convertir leurs vidéos pour d'autres pour des réseaux sociaux donc par exemple comme vous le savez donc chaque réseau social ce, chaque réseau social donc il a euh, des particularités au niveau des, des formes de vidéos qui sur avec lesquelles on peut euh, on peut euh, postuler sur ce réseau-là, ce, ce dernier bien sûr. Donc c'est toile, donc c'est tout ici. Donc vous cliquez sur toile et aussi comme vous voyez, donc la, vous avez la forme originale, c'est la forme de votre vidéo bien sûr. Donc c'est vous l'avez pris avec votre cam ou bien que vous l'avez téléchargé. Sinon vous avez d'autres possibilités, c'est euh, par exemple ici si je veux l'envoyer à TikTok, donc si je veux la poster sur Instagram. Donc à peine que je clique sur le. Sur le, le, le l'icône concernant ce réseau social donc, social, donc il euh, la, ma vidéo se redimensionne selon euh, ce dernier donc vous voyez donc si je veux l'envoyer sur youtube sur youtube shirt etc donc c'est très pratique donc je vous invite à le tester donc et ça va vous aider à mieux travailler et à travailler rapidement bien sûr j'espère que cette petite vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.